fait plus de 20 ans qu'on a rien gagné. Précédemment, dans Rêve de Coupe, nous y sommes. Après 10 mois de compétition, regarder en arrière nous rappelle de magnifiques souvenirs. De cette aventure débutée dans les Mauges, avec le FCML, au week-end passé avec le FC Belette, en passant par le séjour au Pays Basque, nous avons vécu des moments d'exception, nous montrant que le football est bien plus qu'un sport. Après avoir suivi une demi-finale de Coupe de France avec le FC Versailles, et une de Gambardella avec le SM Caen, nous allons vivre les finales. Immersion pour l'apogée de cette saison 2 de votre série préférée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Non Sans Émotion aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouvel épisode de votre série Rêve de Coupe, et c'est le dernier épisode de la saison 2, une saison 2 qui a été exceptionnelle entre Coupe de France, Coupe Gambardella, et bien aujourd'hui c'est ce qu'on a vécu, la Coupe de Gambardella en avant-match avec un match entre Lyon et Caen et une finale de Coupe de France d'anthologie historique entre le FC Nantes et l'OGC Nice. En jeu, la Coupe de France, une place européenne également pour une de ces deux équipes. C'était dingue, totalement dingue, et c'est fou de pouvoir conclure cette série ici au Stade de France après l'avoir commencé dans les plus basses divisions du football français. Ça a été rendu possible par le Crédit Agricole. J'ai suivi tout simplement les vainqueurs du Crédit Agricole Gold Challenge, le filtre Instagram que j'avais partagé. Ils ont été ici deux groupes de deux personnes, quatre personnes qui ont vécu une expérience VIP absolument exceptionnelle, du bord terrain à la tribune, avec un maillot, beaucoup de choses, des gens super cool également. Donc c'était un grand plaisir de les suivre. On a vu du très très beau spectacle. N'hésitez pas à aller vous abonner sur TikTok et sur Insta. Il y a beaucoup de contenus qui sont postés également. Et puis là, nous, on est parti pour vivre une finale historique dans ce Stade de France, tout aussi historique. Allez, c'est parti, vidéo. Bon, l'accréditation est juste ici, ça y est, on est rentré. La finale de Coupe Gambardella est en cours pour l'instant 0-0. Je vous ferai suivre et je vous donnerai le résultat. Mais on va aller dans quelques instants voir un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, on retrouvera les gagnants du jeu Crédit Agricole. Et puis c'est parti pour cette finale. Maintenant, là, il reste une dizaine de minutes de jeu. Et on redescendra sur la pelouse pour la remise de ce trophée de la Coupe Gambardella Crédit Agricole dans maintenant une dizaine de minutes. 1-0 pour Lyon, et Caen est à l'attaque. Et vous l'avez ici en direct, l'égalisation du Stade Malherbe. Caen, un partout dans cette finale, il va peut-être y avoir un peu plus de temps. On aura donc le droit à une séance de tir au but dans ce match de Gambardella. Je vous donnerai le résultat et on verra qui de Caen ou de Lyon a soulevé la coupe. Et là, on est au bord du terrain. Et c'est parti pour la séance de tir au but dans cette finale. La transition est parfaite entre cette finale de Coupe Gambardella. Vous avez vu un peu vivre de l'intérieur sur cette fin, et les joueurs nantais qui rentrent avec leur public qui est là-bas derrière moi, qui donne de la voix pour cette finale de Coupe de France entre Nice et le FC Nantes. Les joueurs du FC Nantes sont ici. Alors que là, le show a commencé ici côté niçois avec l'aigle. L'aigle niçois qui est en train de voler ici dans le stade de France.
suit le tour et là on va retrouver les gagnants du jeu Crédit Agricole Gold Challenge, le filtre sur Instagram que je vous avais partagé. On va les retrouver, ils sont ici. J'ai hâte de voir avec eux leurs impressions ici, c'est impressionnant. Les gars, je vous laisse vous présenter déjà parce qu'on va vous suivre aujourd'hui durant le rêve de coupe. C'est ma série durant toute l'année, là c'est le rêve des supporters. Les gars, je vous laisse vous présenter déjà, prénom. Moi c'est Aurélien, je viens de Dakar. Ok, vous êtes deux frères. Ouais. C'est votre première au Stade de France, c'est ça? Ouais, première au Stade de France. C'est incroyable. C'est magnifique. Ouais. En plus, vivre, être au bord du terrain avec tout ce monde, tout ça, c'est, je pensais jamais pouvoir le faire dans ma vie. Ouais, là, c'est quelque chose, toi, le petit frère. Ouais, tu fais. Tu te fais tendre, le petit frère, mais t'es plus grand par la taille quand même. Hein. On voit ça. C'est comment, là? Franchement, c'est magnifique. Jamais j'aurais pu penser être ici. Et comment vous avez participé au concours? On vous rappelle, c'était sur Instagram. Ouais, sur Instagram. C'est toi qui as participé ou c'est... Non, c'est moi, j'ai participé. J'ai vu la story de Tom du TIF. Ok. Et du coup, je me suis dit, je participe et jamais je vais penser gagner. Comme quoi, ça arrive pas qu'aux autres. Ça arrive pas qu'aux autres. C'est incroyable. C'est génial. C'est vrai. Vous avez une préférence aujourd'hui pour ce match entre Nantes et Nice, même si vous êtes du Nord? Moi, je dis Nice vainqueur. Nice vainqueur. Ça va se chambrer pendant le match en tout cas. Là on est juste devant. Les gardiens niçois sont rentrés à échauffement. Les gardiens nantais vont rentrer dans très peu de temps. On va vivre ça ensemble. Bonne finale. Bonne finale et bon rêve de coupe. Merci. Salut mec. Les gardiens nantais sont là. Ils vont rentrer à échauffement devant le mur. Le mur nantais. Avec deux autres gagnants de ce concours Crédit Agricole, deux supporters du FC Nantes, vous êtes à la bonne place là. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, vivre ça là. Ouais, c'est la folie. Ouais. Moi j'ai eu les frissons. Ah, pareil, on est dans notre langue là. Ah, on est bien. Ouais, vous êtes la région. Ouais, on habite à Bordeaux. Ah, bon, on a fait tous les matchs de coup là-haut. On a toujours fait le à la tribune. Et là, on est. C'est le rêve, c'est le rêve de coupe. Ouais, c'est là, c'est... Ça, c'est votre rêve de coupe. Et surtout, pour faire la grande joie. Et surtout, pour faire la grande joie. Bon, j'ai demandé le pronostic aux deux autres gagnants. Là, je pense que. Elle va recouvrir tout la tribune. Mais eux, je leur ai demandé Nice ou non. Là, il y aura peut-être un peu. Profitez bien. Merci. Kiffez, c'est ça aussi. Merci. Salut. Tire au sort pour aller de ce côté-là, mais en tout cas, l'ambiance est absolument
exceptionnel. Ça va? Ça va? Ouais. Eh ouais. Ah oui. Après cet avant-match ici au bord de la pelouse, on est remonté pour ce match dans la loge ici Crédit Agricole. On est avec eux aujourd'hui, vous l'avez compris, et avec les vainqueurs, et on va pouvoir vivre ce match avec eux. J'essaierai également d'aller côté niçois au maximum possible durant toute cette finale. Et là, on est à une trentaine de minutes du coup d'envoi, et c'est chaud. Alors, on va rester ici puisqu'on a une vue absolument magnifique avant de déambuler dans ces tribunes. Et là, le tifo nantais est en train d'être déployé. C'est parti ici pour 90 minutes dans cette finale de Coupe de France. Et ça craque à balle côté Nantais. Les vainqueurs du concours sont dans la loge et vont vivre ce match avec une expérience unique. Nous, on va aller plutôt côté tribune, vous me connaissez. Moi, je vais dans les tribunes et j'ai vraiment hâte d'aller voir. Je vais aller côté niçois, je les ai pas encore trop eu dans cette vidéo pour l'instant, donc on va y aller. Et là, il y a un ciel magnifique avant de retourner au stade. Allez, c'est parti. On enchaîne pour pas louper le match. Allez, let's go. Ça y est, comme vous l'entendez, on arrive côté niçois. L'Argentin qui est parti il y a maintenant quelques années. Et les Nantais qui applaudissent le chant des Nantais pour Emiliano Sala. Ça aussi le foot, on a tendance à trop l'oublier. La première frappe, elle est sur le but de Marcin Bulka, le gardien remplaçant de Nice, qui a gardé les buts de l'OGC Nice durant toute cette Coupe de France, et notamment qualifié Nice contre Paris au Parc, en séance de tir au but, et Nice qui pour l'instant est au-dessus dans ses 4 premières minutes. Déjà l'atmosphère elle est bonne, ouais. Les deux côtés. Ah bon, elle est très bonne, mais après c'est tendu quand même parce qu'on n'a pas envie de le perdre ce match. Bah, c'est sûr. J'ai fait 6 heures environ. Ouais, 6 heures. 6 heures. On est parti à midi, on est arrivé à 18h environ. Ok. Et il y a un petit peu à faire encore. Le temps d'arriver jusqu'au Stade de France, il y a eu un peu de temps. Un peu de temps et tout. Ok. Et là, je repars dans la nuit. Ouais, vers 2h du mat, on repart. Ouais, en espérant avec la coupe parce que le retour il va être dur sinon. Avec la coupe, on le veut. Ouais, bah oui, il faut. Franchement, comme dirait Praga, on tout le monde peut le souhaiter. Merci. Voilà. Bon match à toi, Zyva. Merci. C'est un plaisir de te rencontrer. Bah, bien sûr, avec grand plaisir. Je suis un abonné depuis un petit moment, donc c'est encore mieux. Avec grand plaisir. C'est encore mieux. Kiffez bien. Kiffez bien, merci. Ah ouais, non, on est bien, on est bien ici. Franchement, vous êtes bien. Ouais, merci. Et le chant, il est parti. Sauf ce soir, on va chanter. Le rouge et noir, ce sont les couleurs que va supporter. La Chine est pour nous notre unique passion. On lâchera jamais notre blason. Et tous ensemble ce soir, on va chanter. Le rouge et noir, ce sont les couleurs qu'on va supporter. La Chine est pour nous notre unique passion. On lâchera jamais notre blason. Wow,
gars devant Ludo Duclas. Toujours 0 à 0, 26ème minute de jeu. Porte Nice à l'échat, la 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 la. Quitte cette tribune niçoise, on va aller essayer de le faire de l'autre côté, côté nantais. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Allez, c'est parti. Direction la tribune nantaise. Ça fait bizarre d'être en dehors d'un stade alors qu'il y a un match aussi important. Minute de jeu, ça y est, on a fait la bascule entre la tribune niçoise et la tribune nantaise. C'est la mi-temps ici entre Nantes et Nice. 0 à 0 dans ce match qui est assez fermé. Je suis avec un abonné nantais qui suit les vidéos et ça, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux, on se retrouve ici au Stade de France. Christophe, tu es venu de Nantes. Qu'est-ce qu'elle représente cette finale pour le FC Nantes? Une grosse attente. Une grosse attente, ça fait plus de 20 ans qu'on a rien gagné avec notre président qui est mauvais. Quoi. Franchement, c'est vraiment une très très grosse attente de la part de tu vois, regarde. Trois quarts du stade ils sont nantais et franchement. De voir tout ce peuple jaune et vert qui vivre à nouveau pour une nouvelle finale. C'est énorme, dernière en 2004. Et on l'avait perdu. Et c'était perdu, donc là pour l'instant on est à 0-0, on espère que ça va basculer de votre côté. Non, on espère aussi. C'est assez indécis. Ouais. Bon, merci beaucoup. Bonne deuxième mi-temps. Merci. Le match vient de reprendre à l'instant. 47ème minute de jeu. Et Ludovic Blas qui a la balle d'ouverture du score juste en face de la tribune nantaise. On a vécu du coup ce premier but pour Nantes depuis la loge avec les vainqueurs du concours. On a pu voir François, le Nantais qui a été aux anges. C'était absolument dingue. Et là, ça va continuer encore. On va aller côté Nantais pour vivre après ce but. L'honneur. Debout, on est en train de faire. Debout,
notre 24e ligne de jeu. Ça tient toujours ici pour Nantes. Il reste plus beaucoup de temps, vraiment plus beaucoup de temps, et on est toujours ici avec les Nantes. François et Marie, on est de retour là avec les deux autres gagnants. Franchement, hyper génial, l'ambiance a été folle. J'avais dit que Nantes allait gagner, donc Nantes a gagné. Et c'est quand je dis que Nice allait gagner, ils ont gagné. Oui, c'est vrai, en début de vidéo. Voilà, donc le grand frère, c'est le grand frère qui remporte le match, ouais. Le match des frères. En tout cas, vous êtes repartis aussi avec votre maillot, le ballon, maillot de Nice, ballon. Une expérience comme vous n'avez jamais vécu là. Réalisé, bah en tout cas merci. Ça a été folle, franchement c'était incroyable. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qu'on va retenir. Comme quoi, faut participer au concours. Ouais, c'est ça vaut le coup, ça vaut le coup d'être fait. En tout cas les gars, bon retour dans le Nord. Merci beaucoup. Ciao. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo ici de finale de Coupe de France au Stade de France. Le FC Nantes qui l'emporte et qui jouera l'Europa League la saison prochaine. Le peuple nantais
peut être ravi. C'était totalement historique ce qui s'est passé, une ambiance de malade. J'espère que vous avez apprécié, kiffé autant que j'ai kiffé pour conclure cette saison 2 de Rêves de Coupe qui était, elle, exceptionnelle. Vraiment, on a passé d'énormes moments et la saison 3 le sera également. N'hésitez pas à postuler pour aller participer, pour que je sois dans votre club pour le premier tour et les tours qui suivent. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, à vous abonner également et sur TikTok aussi. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. Merci au Crédit Agricole et au Compte On a Tous un Coup de Foot d'avoir permis cette expérience de malade, de folie, avec notamment les vainqueurs qui étaient vraiment les meilleurs. Merci beaucoup, c'était génial. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Si la Coupe de France est terminée, il y a encore de belles choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Donc moi, je vous dis qu'une chose, abonnez-vous et à très très vite. Vive le football, vive le football amateur, vive la Coupe de France. Ciao. Après tout ce que j'ai traversé durant ma jeunesse. Pas les mots, il n'y a pas les mots. Avec tout le monde, et c'est ça le football, c'est du spectacle avant tout.